Bonjour, demain aura lieu la clôture des votes pour le concours Les Petits Concerts de Vianney. Et bien que vous ne me connaissiez pas, vous avez fait en sorte que je puisse arriver à plus de 1365 votes, ce que je trouve énorme. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui afin de vous remercier et de me présenter par la même occasion. Donc je m'appelle Mallory, j'ai 20 ans et j'habite Bordeaux, enfin à quelques kilomètres de Bordeaux. Voilà 3 semaines déjà que je me suis lancée dans cette folle aventure des petits concerts et je n'imaginais pas alors que ça prendrait autant d'importance et autant d'efforts. Mais l'enjeu est de taille quand même, c'est celui de faire venir Vianney en concert privé à Bordeaux. Et parce que si nous gagnons, nous aurons la chance de pouvoir l'écouter chanter et de partager avec lui des moments précieux. En ce qui me concerne, tout a commencé en juin 2014, où j'ai entendu sur une radio pas très connue la chanson Je te déteste. Comme j'ai pu vous le dire sur ma page Facebook Jolie Chaise à Mai, et c'est alors que j'ai découvert l'artiste Vianney, alors méconnu du public français. Une fois avoir entendu ce titre, je me suis empressée de chercher sur les réseaux sociaux de cet artiste, à savoir sur Twitter, sur Facebook. Et c'est alors que j'ai découvert que son album sortait en octobre 2014. Une fois acheté, j'ai écouté cet album Idée Blanche en boucle, je l'avoue. Et depuis ce jour, je suis une inconditionnelle de Vianney. Lorsque j'ai appris l'existence de ce concours, j'ai sauté sur l'occasion parce que je trouvais que c'était une occasion trop belle pour passer à côté et je me suis dit que j'allais tout tenter pour essayer de le faire venir chez moi. Après m'être inscrite, j'ai réalisé que ce n'était pas une tâche facile, bien au contraire, mais que cela en valait la peine. Parce que à travers ce monde virtuel qui peut être Twitter, j'ai appris à connaître certaines filles et ces filles sont devenues des amies. Je pense à Bérangère, à Adélie, à Sabrina, à Claire également. Et ces filles-là sont devenues des amies et un petit groupe s'est formé. Le groupe Les Vianettes, voilà, et ces filles m'ont beaucoup aidé durant ce concours. Elles ont beaucoup du leur et je les en remercie parce que pourtant on ne s'est jamais rencontrés. Il y a Bérangère qui est de Pau, Adélie qui est du côté d'Angers, Claire du côté de Toulouse et puis Sabrina dans le sud-est de la France. Donc on est un peu tout éparpillé. Mais je trouve ça beau parce que même sans s'être jamais vu, on a tous la même envie, c'est faire venir Vianney pour pouvoir se rencontrer également et partager un beau moment avec lui et tous ensemble. J'oublie pas aussi ma famille qui m'a aidée et soutenue, qui a réussi à me dire les bons mots quand ça n'allait pas et enfin, je les en remercie. Et je remercie aussi Tiffany et Fatia, ainsi que Virgin Radio Gironde qui m'a soutenue et ça m'a fait plaisir que cette radio me soutienne parce que c'est l'une des premières à avoir diffusé du Vianney et je trouve que c'est un bon clin d'œil d'avoir ce soutien-là. Et je tiens aussi à remercier par contre le Verre au Vin, le lieu qui accueillera Vianney si nous gagnons. Et aussi, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont refusé de me soutenir. Oui, je tiens à les remercier quand même. Je pense à l'office de tourisme, à toutes les radios que j'ai pu contacter, aux journaux aussi. Je tiens à les remercier parce que du coup... ça m'a donné encore plus la niaque. Je me suis dit, on va quand même tout tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, je me suis dit, ça peut être pas mal, même si je n'ai pas trop de soutien. Mais j'ai le soutien le plus important, donc c'est le principal.